J'étais au port de Saint-Malo que des gens avaient quitté pour venir à Terre-Neuve pour pêcher de la morue. Vive, vive, vive ces gens et vive la Haute-France aussi. Bonjour, chers amis. Au nom de tous celles et de tous ceux qui travaillent pour le bien-être de notre communauté franco-terre-neuvienne et labradorienne, je vous souhaite une bonne journée de la francophonie provinciale. En fait, je devrais plutôt dire un bon mois de la francophonie, puisque le gouvernement provincial a choisi de souligner notre 50e anniversaire durant tout le mois de mai 2023. Cette année marque un demi-siècle d'élan communautaire. C'est un élan qui a débuté en 1971 avec la création des Terre-Neuviens français du Cap-Saint-Georges, de la péninsule de Port-au-Port. Puis avec la création de l'Association de Saint-Jean et du Labrador, et en novembre 1973, celle de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et de Labrador. En 50 ans, avec beaucoup de travail, de détermination et de courage, notre communauté francophone a beaucoup accompli. La gestion scolaire, nos écoles, notre implication dans tous les domaines clés de la vie de notre population, tels la santé, justice, jeunesse, aînés, par exemple. On dit souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. 50 ans de lutte, de réussite et d'engagement nous montrent clairement le chemin qu'il reste à faire. Ensemble, poursuivons l'engagement et le travail des visionnaires qui nous ont précédés. Merci et bon 30 mai. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du mouvement francophone acadien de la province de Terre-Neuve et Labrador. De la part de l'Association régionale de la Côte-Ouest, je vous souhaite une très belle journée de la francophonie provinciale. En mon nom personnel et au nom de l'Association francophone du Labrador, il me fait plaisir de vous souhaiter une belle journée en cette journée de la francophonie. Continuons de parler français, rassemblons-nous et chantons en français. Bonne journée de la francophonie. Bonjour, ici Dwight. De la part du district des services locaux de la Grande-Terre et de l'Héritage des Rouges, je vous souhaite une très bonne journée de la francophonie 2023. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour célébrer la culture francophone en cette journée de la francophonie provinciale du 30 mai. Alors, joyeuse journée de la francophonie à tous! Bonjour tout le monde. En ce 30 mai, je tiens à prendre un moment pour saluer toute la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui, c'est votre journée. Et cette année plus particulièrement, alors que vous marquez le 50e anniversaire de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Cela signifie que depuis un demi-siècle, vous travaillez sans relâche à la défense de vos droits, de vos écoles et de vos communautés. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites jour après jour afin de garder la langue française bien vivante dans votre province. Et laissez-moi vous dire que j'ai très hâte d'entendre votre nouvelle hymne communautaire. Je vous souhaite de belles célébrations, des belles cérémonies du lever du drapeau et je tiens à vous assurer que le gouvernement du Canada sera toujours un partenaire engagé et prêt à vous soutenir. Nous serons toujours à vos côtés pour faire avancer la francophonie et assurer la vitalité de vos communautés. Bonne célébration à tous et à tous et à très bientôt. Bonne journée de la francophonie provinciale. La communauté francophone et acadienne contribue grandement à la diversité du tissu linguistique, culturel et historique de notre province. Vous méritez de fêter en grand le 50e anniversaire du mouvement communautaire francophone à Terre-Neuve et Labrador. My name is Myra White. I'm a counselor at the town of Stephenville. On behalf of the town of Stephenville, happy Francophone Day. Bonjour et bonne journée de la francophonie. Je m'appelle Tony Wakeham et je suis député du district de Stephenville Port-au-Port. Je suis très fier de participer à la célébration de la culture et de la langue française de notre beau district et de notre province. Félicitations à tous les francophones de Terre-Neuve et Labrador qui célèbrent 50 ans d'engagement et de dévouement au mouvement francophone et acadien.
Bonjour, je m'appelle Jim Parsons, je suis le maire de la ville de Corner Brook. Je vous souhaite une bonne journée de la francophonie. Bonjour, je m'appelle Sarah Rowe et je suis conseillère dans la municipalité de Cap-Saint-Georges. Au nom de la municipalité de Cap-Saint-Georges, j'aimerais souhaiter à tous et à toutes une excellente journée provinciale de la francophonie. Bonjour, je m'appelle Charles Pender, je suis le gestionnaire de la bande Halipu. La tradition orale nous dit qu'il y avait des Mi'kmaq ici avant l'arrivée des Européens. Les Mi'kmaq en Acadie étaient des alliés non officiels des Français depuis très longtemps. Dans l'histoire plus récente, des déserteurs de la pêche française au large de l'île Rouge sur la péninsule de Papa cherchaient refuge auprès des familles Mi'kmaq locales et épousaient des femmes Mi'kmaq de la région. Cela renforçait aussi la présence française dans la région, d'autant plus que la plupart des Mi'kmaq parlaient déjà le français comme langue seconde. Aujourd'hui, cette relation privilégiée et entre les francophones et les Mi'kmaq se poursuit. Alors, de la part de la bande Halipu, bonne journée de la francophonie. Cultural diversity enriches every aspect of our province, our economy, and our communities. La francophonie is no different. Today is the day to be proud and to share that with all of us here in Labrador West. On behalf of myself and my NDP colleagues, I'd like to wish you and the organizing committee and everyone celebrating French culture in our district, a wonderful and safe celebration. Merci. Bonjour, je m'appelle Louise Gauthier. Je suis artiste et fondatrice du festival CB Nuit ici à Corner Brook, Terre-Neuve. Comme franco-ontarienne avec des racines acadiennes qui habitent ici à Corner Brook, Terre-Neuve, je suis ravie de vous souhaiter une belle journée de la francophonie. Bonne journée de la francophonie! Mon histoire est terminée, il est temps de m'en aller pour aller voir ces gens qui vivent autour d'ici. Vive ces gens et vive la voix de France aussi. Vive ces gens et vive la voix de France aussi.